Les voilà qui partent. Le Grand Cross de Port-Auvergne, prix Gaston de Bataille, édition 2021. 10 concurrents qui s'élancent pour 6300 mètres, 31 difficultés à franchir. La plus grande course peut-être de ce meeting et ils sont partis sur le bon pied avec le numéro 9, Denali Bellevue, qui a pris tout de suite les commandes de cette course et qui veut se rabattre, semble-t-il, tête et corde pour aller sauter une première haie avec en deuxième position Beaumarie et déjà quelques longueurs ensuite pour retrouver Disco Dotti et Uniqueta à son extérieur. En dernière position pour l'heure, il y a Vanesse, James d'Anjou qui va patienter également comme Lucky Net Love. Concurrents qui vont revenir vers le centre de l'hippodrome et aller passer le chapeau de gendarme. Denali Bellevue au commandement avec en deuxième position Beaumarie. Disco Dotti évolue troisième en dedans à la hauteur du Niketa qui est quand même monté près de la tête. Il est quatrième, le grand favori qui est confié aujourd'hui à Félix De Gilles. À son intérieur galope le numéro 5 Fayas pour la famille Papo devant Dunkin au moment où se profile déjà la banquette irlandaise. Premier gros temps fort de ce grand cross. Diam Sedange ou Vanesse à l'arrière-garde. Alors on évite finalement la banquette pour passer le fence, autant pour moi. Et on poursuit la diagonale sous l'impulsion de Denali Bellevue qui est aux commandes. Beaumarie en deuxième position avec au troisième rang Disco Dotti pour Magalène Bryant. Derrière il y a Uniqueta qui est quatrième, Fayas qui est cinquième et Dunkin qui est en sixième position. Blason d'Or qui pour le moment patiente avec Clément Lefebvre derrière Fayas. En dedans Diam Sedange, Lucky Net Love en rouge à l'extérieur et la dernière place pour Vanesse. Concurrent qui vire à main gauche pour aller passer le Brook, puis le Guet. Denali Bellevue, Beaumarie toujours dans cet ordre. En troisième position, Fayas qui gagne un rang aux dépens de Disco Dotti. Attention au Guet, toujours un moment assez impressionnant. Uniqueta qui y rentre gaillardement au cœur du peloton. Denali Bellevue qui en ressort un peu timidement, mais pour le moment pas de souci pour tout le monde. Ils vont maintenant prendre la diagonale. Denali Bellevue a donc l'avantage pour l'entraînement d'Erwan Graal. Romain Julio est en selle. En deuxième position, c'est un vainqueur de grand cross de cran. Il s'appelle Beaumarie, le 4 avec Fayas. Disco Dotti est dirigé vers la droite par Jonathan Plouganou se rapprochant. Lucky Net Love est limite également avec James Rivlet. Uniqueta reste au cœur du peloton avec ensuite Blason d'Or, Dunkin. Diam Sedange en avant-dernière position. La dernière place, comme à son habitude, pour Vanesse. Le bout de la diagonale. Denali Bellevue et Beaumarie qui restent aux deux premières places. On retrouve au troisième rang Fayas, un poil brillant. Disco Dotti qui longe la corde et cinquième à la hauteur du Niketa qui lui reste plutôt au centre. Derrière on retrouve Blason d'Or. Dunkin est à son extérieur avec Thomas Bourin. Lucky Net Love évolue le long de la corde. Diam Sedange est toujours avant-dernière. Et Vanesse garde cette dernière place avec Marc-Antoine Dragon. Moyen Open Ditch dans le tournant. Sans problème. Et la terre qui arrive maintenant. Assurément, avec le parc à moutons d'abord. Accélération d'ailleurs de Disco Dotti. Jonathan Plouganou qui vient rejoindre Denali Bellevue qui réaccélère sous son nez. En troisième position, il y a Beaumarie. Avec ensuite Uniqueta, premier obstacle en terre de ce grand cross. Disco Dotti un peu brutal. Sinon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Accélération d'ailleurs de Jonathan Plouganou qui veut prendre la tête avec Disco Dotti. Denali Bellevue qui revient à sa main, quasiment à sa hauteur avec en troisième position Uniqueta. La fameuse banquette qui se passe bien pour les chevaux de tête. Et ça s'est relativement bien passé pour les autres, même si Dunkin a eu une réception un petit peu lourde. Concurrents qui vont poursuivre sur la terre. Denali Bellevue qui a repris d'ailleurs l'avantage sur Disco Dotti au moment où il s'agit d'aller sauter le Volpoum. Volpoum au Denali Bellevue qui est allé un petit peu sur le nez mais qui s'est bien rattrapé. Disco Dotti galope deuxième. Beaumarie est troisième devant Uniqueta. Pour le moment, tout le monde est parfait dans ses sauts. Et les chevaux vont ainsi prendre la boucle un peu plus habituelle. Tronc d'arbre, Bullfinch avant la diagonale. Pas de souci pour les chevaux sur le tronc d'arbre. Blason d'Or un petit peu malchanceux à la réception du Bullfinch. Aux avant-postes, Denali Bellevue a toujours la tête et la corde devant Beaumarie qui reste deuxième. Disco Dotti se retrouve maintenant une nouvelle fois 3-4e avec Uniqueta, le grand favori qui a la bonne course pour le moment derrière les premiers sans se faire remarquer. Fayas, Lucky Net Love galope un rang plus loin avec ensuite Dunkin, Blason d'Or, Diam Sedange, Vanesse. La banquette de Bordeaux une première fois. Réception un peu lourde de Disco Dotti et faute de Dunkin qui éjecte Thomas Bourin. Le numéro 8 est hors course, malheureusement comme lors de l'édition 2020. Direction le fence, Denali Bellevue, Uniqueta dans cet ordre. En troisième position, Beaumarie qui suit les premiers, Jean-Stéphane Lebrun pour la famille Menuet. Lucky Net Love, Disco Dotti pour aller franchir une première fois le gros passage de route. Uniqueta, formidable sur la terre,
Ça s'est bien passé pour l'ensemble du peloton, mais Uniqueta a été parfait sur le gros passage de route et il s'est ainsi propulsé devant. Daniele Bellevue est deuxième, Beaumari troisième en dedans. Disco Dotti est ensuite en quatrième position avec Lucky Net Love qui galope une longueur plus loin, cinquième. Blason d'Or patiente, Fayas également, Diams d'Anjou et Vanesse, les deux juments, comme à leur habitude, plutôt en queue de peloton. Direction maintenant à Taluanterre au fond de l'hippodrome. Avec toujours les commandes pour les mêmes. Daniele Bellevue qui a été rejointe et dépassée maintenant par Uniqueta en deuxième position qui prend le meilleur. Troisième place pour Disco Dotti, Beaumari qui sont sur une même ligne. Blason d'Or évolue cinquième. Lucky Net Love sixième. Diams d'Anjou a gagné un rang puisqu'elle vient de déborder Fayas. Dernière position toujours pour Vanesse. Partie un peu plus calme de ce cross, dirons-nous, le moment souvent où les concurrents soufflent. Uniqueta a pris le meilleur sur Daniele Bellevue. Troisième position pour le 2 Disco Dotti. Beaumari est toujours derrière les premiers. Blason d'Or s'est rapproché également du groupe de tête. Il est cinquième. Lucky Net Love a un petit peu accroché cette haie. Diams d'Anjou se rapproche un peu avec Stéphane Paillard. Fayas est avant-dernier. Vanesse ferme la marche. Concurrents qui font un S, hein, qui vire à gauche puis à droite. Uniqueta toujours aux commandes devant Daniele Bellevue. La troisième place est toujours occupée par Beaumari. Disco Dotti évolue quatrième toujours devant Blason d'Or cinquième. Diams d'Anjou sixième qui a débordé Lucky Net Love pour aller sauter ce talus. Fayas et Vanesse venant un tout petit peu plus loin. Les concurrents vont une nouvelle fois aller vers le Volpoum avant la dernière boucle de ce grand cross. Uniqueta, le favori de cette course, a toujours le meilleur. Félix de Gilles est en selle. Deuxième fois le Volpoum pour lui. Une formalité. Ça s'est bien passé pour les autres également qui restent là avec Diams d'Anjou qui s'est rapproché. Beaumari, Daniele Bellevue sont là. Blason d'Or est en quatrième position devant Lucky Net Love. En revanche, Disco Dotti lui a perdu plusieurs longueurs désormais. Fayas est en retrait. Vanesse fermant la marche. Nouveau Bullfinch. Les concurrents qui vont virer à main droite sous l'impulsion d'Uniqueta qui a toujours l'avantage. En deuxième position, Beaumari. Daniele Bellevue est troisième. Blason d'Or est quatrième. Diams d'Anjou ensuite cinquième devant Lucky Net Love. Disco Dotti a perdu de nombreux rangs maintenant en se retrouvant à l'arrière. Fayas et Vanesse n'ont pas encore dit leur dernier mot et vont tenter de se relancer. Une dernière fois la diagonale. Uniqueta, Beaumari, les lauréats des préparatoires aux deux premières places. Daniele Bellevue qui vient en avançant. Blason d'Or qui prend des risques également à l'extérieur et qui perd beaucoup de terrain. Énorme faute de Disco Dotti qui a projeté son jockey Jonathan Plouganou au sol. C'est fini pour le numéro de Disco Dotti. Le fence une nouvelle fois avec Uniqueta qui a toujours le meilleur, qui est impérial pour le moment. Beaumari qui vient deuxième. Daniele Bellevue s'accroche en troisième position comme Diams d'Anjou, Blason d'Or pour aller sauter une deuxième et dernière fois le gros passage de route. Uniqueta qui vient et qui le franchit bien. Beaumari qui tombe malheureusement à la réception du gros passage de route. Beaumari, l'un des favoris qui entraîne dans sa perte Vanesse qui éjecte son jockey. Le bout de la diagonale dans quelques instants. Uniqueta qui tente de partir pour un numéro de soliste. Derrière, Diams d'Anjou est en train de combler un peu de chemin. Daniele Bellevue également, Blason d'Or et qui va préserver sa pointe et quatrième devant Lucky Net Love. Le Bullfinch bien mieux franchi par Uniqueta que par ses adversaires. Mais attention, Diams d'Anjou a un cœur plus gros qu'elle. Elle se rapproche en deuxième position avec Blason d'Or qui est troisième malgré une faute à la banquette tout à l'heure. Et Daniele Bellevue qui n'a pas encore lâché le morceau. A mi-tournant final, le nouveau champion du cross est peut-être là. Uniqueta, il a l'avantage. Mais attention, Diams d'Anjou n'a pas dit son dernier mot. Daniele Bellevue est lancé maintenant dehors par Romain Julio. Et en quatrième position, c'est Blason d'Or. L'entrée de la ligne droite maintenant. Uniqueta qui reste appuyé à la corde à l'avantage. Félix De Gilles pour Hector de Lagenette et Guillaume Macaire. Daniele Bellevue, Diams d'Anjou, Blason d'Or, Lucky Net Love qui tente ensuite de revenir. Dernière roue, Uniqueta qui l'a pris dans la bonne foulée et qui maintenant se détache de Diams d'Anjou, de Lucky Net Love qui termine fort avec Blason d'Or et en dehors Fayas. Uniqueta à l'avantage, Lucky Net Love qui essaie de refaire du chemin mais qui est encore loin du cheval de Véronique Bercan. Attention, Lucky Net Love termine en trombe. Uniqueta face à Lucky Net Love aux abords du poteau. Uniqueta sur le poteau qui va s'imposer dans le grand cross de Pau. Une première pour Hector de la Jeunette et pour Guillaume Macaire. Félix De Gilles également remporte son premier grand cross qu'il offre à sa propriétaire Véronique Bercan. Très belle course également de Lucky Net Love, le numéro 3, qui est un excellent deuxième et qui échoue derrière.